Qu'est-ce que le Conseil national de la consommation ? Le Conseil national de la consommation est un organisme qui agit pour le compte du ministère chargé de la consommation. Il se charge du conseil auprès du ministère pour les sujets en relation avec la consommation ou les consommateurs. Il a été créé en juillet 1983 pour remplacer le Comité national de la consommation. Quelles sont les missions du CNC ? On différencie trois catégories principales dans les tâches qui incombent au CNC. L'organisation de débats et de concertations entre les pouvoirs publics, les associations de défense des consommateurs et les représentants des différentes organisations professionnelles, la négociation d'accords entre les organisations professionnelles et les associations de défense des consommateurs, et la désignation des différents médiateurs de la consommation d'entreprise. Qui sont les membres du Conseil national de la consommation ? Le CNC est composé de deux collèges, censé représenter au mieux l'éventail des consommateurs et des professionnels du pays. En plus des équipes du ministère chargé de la consommation, on retrouve donc une trentaine d'acteurs qui composent d'une part les membres du collège des associations de défense des consommateurs et d'autre part le collège des organisations professionnelles et des entreprises qui assurent des missions de service public.